Comment accéder au financement ou à l'extension de son entreprise? Au forum ICI 2014, ils sont nombreux les entrepreneurs opérant en Côte d'Ivoire qui éprouvent cette difficulté. ICI, bon, il faut dire que si il y a une possibilité de financer les entreprises ivoiriennes, je crois que nous sommes partants. C'est pour cette raison qu'on est venu. Voilà, parce que ici, on a quand même certaines entreprises qui ont des atouts, mais il y a un problème de financement. Nous sommes en quête de financement. Parce que les clients sont ouverts et c'est une opportunité pour nous de participer à ICI. C'est pour aider les entreprises à accroître leurs performances qu'en marge du forum ICI 2014, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a activé le point national d'information d'Afrexibank logé dans cette structure. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut avoir une offre de service Afrexibank est obligé de s'adresser à Afrexibank. Vous savez que le siège d'Afrexibank est en Égypte. Ils n'ont pas d'agence en Côte d'Ivoire, donc tout peut démarrer ici avec notre point focal. C'est vraiment important. La Banque africaine d'import-export met à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens environ 250 milliards de francs CFA. Objectif, faciliter l'accès des entreprises au financement. La Côte d'Ivoire est actionnaire de la Banque africaine d'export-export et malheureusement très peu d'opérateurs ivoiriens en profitent. Donc nous pensons que c'est une opportunité que la Chambre de commerce offre ses services pour qu'on puisse mieux vendre les programmes et faciliter de la banque. En Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ce fonds. Les secteurs concernés, l'import, l'export, transport, manutention et services.